Nous arrivons maintenant à Romains 7, ce chapitre que beaucoup ont ressenti comme étant presque superflu. Peut-être le serait-il si les chrétiens pensaient vraiment que la vieille création a été éliminée par la croix du Christ et qu'une création entièrement nouvelle a été introduite par sa résurrection. Si nous sommes arrivés au point où nous savons vraiment cela, où nous y réfléchissons et où nous nous présentons sur la base de cela, alors peut-être n'avons-nous pas besoin de Romains 7. D'autres ont estimé que ce chapitre n'est pas à sa place. Ils l'auraient placé entre le 5e et le 6e chapitre. Après le chapitre 6, tout est si parfait, si direct. Et puis vient l'effondrement, le cri « Je suis un homme misérable ». Pourrait-il y avoir quelque chose de plus anticlimax? Paul parle ici de son expérience de non-régénéré. Nous devons admettre qu'une partie de ce qu'il décrit ici n'est pas une expérience chrétienne, mais néanmoins, de nombreux chrétiens en font l'expérience. Romains 7 a une nouvelle leçon à nous enseigner. Elle se trouve dans la découverte que je suis dans la chair, que je suis charnel, et que c'est le péché qui habite en moi. Cela va au-delà de la question du péché, mais concerne aussi la question de plaire à Dieu. Nous n'avons pas affaire ici au péché sous ses formes, mais à l'homme dans son état charnel. Ce dernier inclut le premier, mais il nous fait franchir une étape supplémentaire, ce qui conduit à la découverte que dans ce domaine aussi, nous sommes totalement impuissants, et que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Comment est-ce que cette découverte est faite? Elle est faite avec l'aide de la loi. Revenons maintenant sur nos pas par minute et essayons de décrire ce qui est probablement l'expérience de beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont vraiment sauvés et pourtant liés par le péché. Ce n'est pas qu'ils vivent nécessairement sous la puissance du péché tout le temps, mais il y a certains péchés particuliers qui l'entravent continuellement, de sorte qu'il les commet encore et encore. Un jour, il entend le message complet de l'Évangile, à savoir que le Seigneur Jésus n'est pas seulement mort pour purifier nos péchés, mais que lorsqu'il est mort, il nous a inclus, nous les pécheurs, dans sa mort. De sorte que non seulement il est traité avec notre péché, mais qu'il est aussi traité avec nous. Les yeux de l'homme s'ouvrent et il sait qu'il a été crucifié avec le Christ. Deux choses suivent cette révélation. En premier, il reconnaît qu'il est mort et ressuscité avec le Seigneur. Et en second lieu, reconnaissant le droit du Seigneur sur lui, il se présente à Dieu comme vivant d'entre les morts. Et il voit qu'il n'a plus aucun droit sur lui-même. C'est le début d'une belle vie chrétienne pleine de louanges au Seigneur. Mais ensuite, il commence à raisonner de la manière suivante. Je suis mort avec le Christ, je suis ressuscité avec lui, et je me suis livré à lui pour toujours. Maintenant, je dois faire quelque chose pour lui, puisqu'il a tant fait pour moi. Je veux lui plaire et faire sa volonté. Ainsi, après l'étape de la consécration, il cherche à découvrir la volonté de Dieu et entreprend de lui obéir. Il fait alors une étrange découverte. Il pensait faire la volonté de Dieu et il pensait l'aimer. Mais peu à peu, il découvre qu'il ne l'aime pas toujours. Parfois, il éprouve une nette répugnance à la faire, et souvent lorsqu'il essaie de la faire, il s'aperçoit qu'il ne peut pas. Il commence alors à remettre en question son expérience. Il se demande, est-ce que je savais vraiment? Oui. Est-ce que j'ai vraiment réfléchi? Oui. Me suis-je vraiment donné à lui? Oui. Suis-je revenu sur ma consécration? Non. Alors, quel est le problème maintenant? Plus cet homme essaye de faire la volonté de Dieu, plus il échoue. Finalement, il arrive à la conclusion qu'il n'a jamais vraiment aimé la volonté de Dieu. Alors il prie pour avoir le désir et la force de la faire. Il confesse sa désobéissance et promet de ne plus jamais désobéir. Mais à peine s'est-il relevé de ses genoux qu'il est déjà tombé une fois de plus. Avant d'atteindre le point de la victoire, il est conscient de la défaite. Il se dit alors, peut-être que ma dernière décision n'était pas assez ferme. Cette fois, je serai absolument certain. Alors il met toutes les affaires de son plan au service de la situation et redéfinit une défaite plus grande qu'il attend la prochaine fois qu'un choix devra être fait. Puis enfin, il se fait l'écho des paroles de Paul. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite aucun bien. Car je peux vouloir, mais je ne peux pas faire ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. De nombreux chrétiens se sont soudainement lancés dans l'expérience de Romains 7 et ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent que Romains 6 est bien suffisant. Ayant compris cela, je pense qu'il ne peut être question d'échec. Puis, à leur plus grande surprise, ils se retrouvent soudainement dans Romains 7. Quelle est l'explication? Tout d'abord, disons clairement que la mort avec Christ, décrite dans Romains 6, est tout à fait suffisante pour couvrir tous nos besoins. C'est l'explication de cette mort qui en découle qui est incomplète dans le chapitre 6. Tant que nous sommes encore dans l'ignorance de la vérité exposée au chapitre 7, Romains 7 nous est donné pour expliquer et rendre réelle la déclaration de Romains 6, 14. Qui dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le problème est que nous ne connaissons pas encore la délivrance de la loi. Quel est donc le sens de la loi? La grâce signifie que Dieu fait quelque chose pour moi. La loi signifie que je fais quelque chose pour Dieu. Dieu a certaines exigences saintes et justes qu'il m'impose. C'est la loi. Maintenant, si la loi signifie que Dieu exige quelque chose de moi pour son accomplissement, alors la délivrance de la loi signifie qu'il n'exige plus cela de moi, mais qu'il le fournit lui-même. La loi implique que Dieu exige de moi que je fasse quelque chose pour lui. Être délivré de la loi implique qu'il me dispense de le faire et que dans la grâce, il le fait lui-même. Moi, ou l'homme charnel du chapitre 7, verset 14, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour Dieu. C'est cela être délivré de la loi. Le problème dans Romains 7 est que l'homme dans la chair a essayé de faire quelque chose pour Dieu. Dès que vous essayez de plaire à Dieu de cette manière et que vous vous placez sous la loi, alors l'expérience de Romains 7 commence à être la vôtre. Dieu sait qui je suis. Il sait que je suis plein de péchés de la tête aux pieds. Il sait que je suis faible et charnel, que je ne peux rien faire. Le problème, c'est que je ne le sais pas. J'admets que tous les hommes sont des pécheurs, et donc je suis un pécheur. Mais j'imagine que je ne suis pas un pécheur aussi désespéré que certains. Dieu doit nous amener tous au point où nous voyons que nous sommes totalement faibles et sans défense. Bien que nous le disions, nous ne le croyons pas. Et Dieu doit faire quelque chose pour nous convaincre de ce fait. S'il n'y avait pas eu la loi, nous n'aurions jamais su à quel point nous sommes faibles. Paul est d'accord avec ce point. Il exprime clairement lorsqu'il dit dans Romains 7, verset 7, « Je n'avais pas connu le péché, si ce n'est par la loi. Je n'avais pas connu la convoitise, si ce n'est par la loi qui m'a dit, « Tu ne convoiteras point. » Quelle que soit son expérience avec le reste de la loi, c'est le 10e commandement qui le traduit littéralement. Tu ne désireras pas, tu ne convoiteras pas. Là, son échec et son incapacité temporelle le regardaient en face. Plus nous avons essayé d'observer la loi, plus notre faiblesse est manifeste et plus nous nous enfonçons dans Romains 7 jusqu'à ce qu'il nous soit clairement démontré que nous sommes désespérément faibles. Dieu le savait depuis le début, mais nous ne le savions pas. Il a donc dû nous faire passer par des expériences douloureuses pour que nous reconnaissions ce fait. Nous avons besoin que notre faiblesse nous soit prouvée de manière incontestable. C'est pourquoi Dieu nous a donné la loi, afin que nous puissions dire avec révérence que Dieu ne nous a jamais donné la loi à garder. Il nous a donné la loi pour la violer. Il savait très bien que nous ne pouvions pas la respecter. Nous sommes si mauvais qu'il n'a demandé aucune faveur et ne fait aucune demande. Jamais aucun homme n'a réussi à se rendre acceptable à Dieu au moyen de la loi. Le Nouveau Testament ne dit nulle part aux hommes de foi qu'ils doivent observer la loi. Mais il est dit que la loi a été donnée pour qu'il y ait transgression. La loi a été donnée pour que l'offense puisse abonder. La loi a été donnée pour que nous soyons plus nombreux à transgresser. Il ne fait aucun doute que je suis un pécheur en Adam. Comment se fait-il que je n'ai pas connu le péché si ce n'est par la loi? Car sans la loi, le péché est la mort. Mais quand les commandements sont venus, le péché s'est ranimé et je suis mort. La loi est ce qui met à nu notre vraie nature. Hélas, nous sommes si prétentieux et nous nous croyons si fort que Dieu doit nous donner quelque chose pour nous mettre à l'épreuve, pour prouver combien nous sommes faibles. Enfin, nous le voyons et nous confessons, je suis un pécheur de part en part et je ne compte pas faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Non, la loi n'a pas été donnée dans l'attente que nous l'observions. Elle a été donnée en sachant parfaitement que nous la violerons. Nous l'avons violée si complètement que nous sommes convaincus dans notre besoin absolu que la loi a atteint son but. Elle avait été notre maître d'école pour nous amener à Christ, mais il peut lui-même l'accomplir en nous. Dans Romains 6, nous avons vu comment Dieu nous a délivrés du péché. En Romains 7, nous voyons comment il nous délivre de la loi. Au chapitre 6, on nous montre le chemin de la délivrance du péché dans une image d'un maître et de son esclave. Au chapitre 7, on nous montre le chemin de la délivrance de la loi dans une image avec deux maris et une femme. La relation entre le péché et le pécheur est celle d'un maître et d'un esclave. La relation entre la loi et le pécheur est celle d'un mari et d'une femme. Remarquez d'abord que dans l'image de Romains 7, 1 à 4, par laquelle Paul illustre notre délivrance de la loi, il n'y a qu'une seule femme, alors qu'il y a deux maris. La femme est dans une position très difficile, mais elle ne peut être l'épouse que l'un des deux. Malheureusement, elle est mariée à celui qui est le moins désirable. Ne nous y trompons pas, l'homme auquel elle est mariée est un homme bon. Mais le problème est là. Le mari et la femme sont totalement inadaptés l'un à l'autre. Il est l'homme le plus particulier, précis jusqu'à un certain point, mais d'un autre côté, il est résolument facile à vivre. Avec lui, tout est défini et précis. Avec elle, tout est vague et désordonné. Il veut que tout soit parfait, alors qu'elle accepte les choses comme elles viennent. Comment pourrait-il y avoir du bonheur dans un tel foyer ? Et puis ce mari est si exigeant, il est toujours en train d'exiger des choses de sa femme. Et on ne peut pas lui trouver de défaut. Mais en tant que mari, il a le droit d'attendre quelque chose d'elle. Et d'ailleurs, toutes ces exigences sont parfaitement légitimes. Il n'y a rien de mal avec l'homme et rien de mal avec ses exigences. Le problème, c'est qu'il n'a pas le bon genre de femme pour les réaliser. Les deux ne peuvent pas s'entendre du tout. Ce sont des natures tout à fait incompatibles. Ainsi, la pauvre femme est dans une grande détresse. Elle est parfaitement consciente qu'elle fait souvent des erreurs. Mais d'un autre côté, le mari semble penser que tout ce qu'elle dit et fait est mauvais. Quel espoir y a-t-il pour elle ? Si vous vous mariez avec cet autre homme, tout irait bien. Il n'est pas moins exigeant qu'un mari, mais il l'aide aussi beaucoup. Elle voudrait bien l'épouser, mais son mari est toujours en vie. Que peut-elle faire? Elle est liée par la loi à son mari. Et à moins qu'il ne meure, vous ne pouvez pas légitimement épouser cet autre homme. Cette image n'est pas dessinée par moi, mais par l'apôtre Paul. Le premier mari, c'est la loi. Le second mari est le Christ, et vous, l'autre femme. La loi exige beaucoup, mais n'offre aucune aide pour l'exécution de ces exigences. Le Seigneur Jésus exige tout autant, voire plus. Mais ce qu'il exige de nous, il accomplit lui-même en nous. La loi pose des exigences et nous laisse impuissants à les remplir. Le Christ pose des exigences, mais il accomplit lui-même en nous les exigences mêmes qu'il pose. Mais ce que la femme désire, c'est d'être libérée de son premier mari pour pouvoir épouser cet autre homme. Mais son seul espoir de libération passe par la mort de son premier mari. Et il s'accroche à la vie avec ténacité. En effet, il n'y a aucune perspective de libération de sa part. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit accompli. La loi va continuer pour toute l'éternité. Si la loi ne disparaît jamais, comment puis-je m'unir au Christ? Comment puis-je épouser un second mari? Que mon premier mari refuse tout simplement de mourir. Il y a une solution. S'il ne veut pas mourir, je peux mourir. Et si je meurs, la relation de mariage est dissoute. Et c'est exactement la manière de vivre de Dieu par rapport à la loi. Le point le plus important à noter dans cette section de Romains 7 est la transition du verset 3 au verset 4. Les versets 1 à 3 montrent que le mari doit mourir, mais au verset 4, nous voyons qu'en fait, c'est la femme qui meurt. La loi ne meurt pas, je meurs, et par la mort, je suis libéré de la loi. Réalisons clairement que la loi ne peut jamais passer. Les exigences justes de Dieu demeurent pour toujours, et si je vis, je dois répondre à ces exigences. Mais si je meurs, la loi a perdu son droit sur moi. Elle ne peut pas me suivre au-delà de la tombe. C'est exactement le même principe qui s'applique à notre délivrance de la loi et à notre délivrance du péché. Lorsque je meurs, mon ancien maître, le péché, continue à vivre. Mais son pouvoir sur son esclave s'étend jusqu'à la tombe et pas au-delà. Il pouvait me demander de faire 1001 choses lorsque j'étais en vie. Mais quand je suis mort, il m'appelle en vain. Je suis libéré pour toujours de sa tyrannie. Il en va de même en ce qui concerne la loi. Quand une femme vit, elle est liée à son mari. Mais avec sa mort, le lien du mariage est dissous et elle est libérée de la loi du mari. La loi peut encore poser des exigences, mais pour moi, son pouvoir de les faire respecter est terminé. Maintenant, la question vitale se pose. Comment puis-je mourir? Et la présence de l'œuvre de notre Seigneur intervient juste ici. Vous aussi, vous êtes morts à la loi par le corps du Christ. Quand le Christ est mort, son corps a été brisé. Et puisque Dieu m'a placé en lui, j'ai été brisé aussi. Quand il a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Le but de Dieu en nous unissant au Christ n'était pas simplement négatif, il était glorieusement positif. Que vous soyez unis à un autre. La mort a dissous l'ancienne relation matrimoniale afin que la femme ne soit pas dérangée par les exigences constantes d'un ancien mari qui n'a jamais levé le petit doigt pour l'aider à se couvrir la bouche. Elle est maintenant libre d'épouser l'autre homme qui, à chacune de ses exigences, devient un pouvoir en elle pour la satisfaire. Quel est l'enjeu de cette nouvelle union? Que nous puissions porter du fruit pour Dieu par le corps du Christ. Cette femme insensée et pécheresse est morte, mais étant unie à lui dans la mort, elle est aussi unie à lui dans la résurrection. Et dans la puissance de la vie de résurrection, elle porte du fruit à Dieu. La vie ressuscitée du Seigneur en elle la rend capable de répondre aux saintes exigences de la sainteté de Dieu. La loi de Dieu n'est pas annulée, elle est parfaitement accomplie, car le Seigneur ressuscité vit maintenant sa vie en elle, et sa vie est toujours agréable au Père. Que se passe-t-il quand une femme se marie? Elle ne porte plus son propre nom, mais celui de son mari. Celui-ci ne partage pas seulement son nom, mais aussi ses biens. Ainsi, lorsque nous sommes unis au Christ, lorsque nous lui appartenons, tout ce qui lui appartient devient nôtre, avec ses ressources infinies à notre disposition. Nous sommes bien capables de répondre à toutes ses exigences. Maintenant que nous avons réglé le côté doctrinal de la question, il nous faut en venir aux questions pratiques en restant un peu plus longtemps sur l'aspect négatif. Que signifie dans la vie quotidienne être délivré de la foi? Cela signifie qu'à partir de maintenant, je ne ferai plus rien pour Dieu. Je ne vais plus jamais essayer de lui plaire. Quelle doctrine enseignez-vous? Quelle horrible hérésie peut signifier cela? Mais rappelez-vous que si j'essaie de plaire à Dieu dans la chair, alors immédiatement, je me place sous la loi. J'ai violé la loi. La loi a prononcé la sentence de mort. La sentence a été exécutée. Et maintenant, par la mort, moi, le moi charnel, j'ai été libéré de toutes ces prétentions. Il existe encore une loi de Dieu, qui est en fait un nouveau commandement, mais qui est infiniment plus exigeant que l'ancien. Mais Dieu soit loué, ces exigences sont satisfaites, car c'est le Christ qui les accomplit maintenant. C'est le Christ qui opère en moi ce qui est agréable à Dieu. Je suis venu accomplir la loi pour ces paroles. C'est ainsi que Paul, du haut de sa résurrection, peut dire « Œuvrez à votre propre salut, avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous, à la fois pour vouloir et pour œuvrer selon son bon plaisir. C'est Dieu qui agit en vous. » La délivrance de la loi ne signifie pas que nous sommes libres de faire la volonté de Dieu. Cela ne signifie certainement pas que nous allons être sans loi. C'est tout à fait le contraire. Ce que cela signifie cependant, c'est que nous sommes libres de faire cette volonté. Étant pleinement persuadés que nous ne pouvons pas le faire, nous cessons d'essayer de plaire à Dieu sur le terrain du vieil homme. Ayant enfin atteint le point de désespoir total en nous-mêmes pour voir Satan essayer, nous mettons notre confiance dans le Seigneur pour qu'il manifeste en nous sa vie de résurrection. Le plus tôt nous renonçons à essayer, le mieux c'est. Mais nous monopolisons la tâche. Alors il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Mais si nous disons « je ne le ferai pas, je te fais confiance pour le faire à ma place », alors vous constaterez qu'une puissance plus forte que nous-mêmes nous porte. Nous voyons la loi et nous pensons que nous devons répondre à ses exigences. Mais nous devons nous rappeler que si la loi en elle-même est bonne, elle sera mauvaise si elle est appliquée à la mauvaise personne. Le malheureux de Romains 7 a essayé de satisfaire lui-même les exigences de la loi de Dieu. Et c'est la cause de son malheur. L'utilisation répétée du petit mot « je » dans ce chapitre donne la clé de l'échec. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le pratique. Il y a un malentendu fondamental dans l'esprit de cet homme. Il pensait que Dieu lui demandait de respecter la loi. Alors bien sûr, il essayait de la respecter. Mais Dieu n'exigeait rien de tel de lui. Quel a été le résultat? Loin de faire ce qui plaisait à Dieu, il s'est retrouvé à faire ce qui lui déplaisait. Dans ses efforts pour faire la volonté de Dieu, il a fait exactement le contraire de ce qu'il savait être sa volonté. Avez-vous découvert cette vérité dans votre vie? Ça ne sert à rien de se contenter de découvrir dans Romains 6 et 7 que vous portez le fardeau d'un corps sans vie. En ce qui concerne la volonté de Dieu, vous n'avez aucune difficulté à parler des affaires du monde. Mais lorsque vous essayez de parler pour le Seigneur, vous êtes paralysé par la langue. Lorsque vous essayez de prier, vous vous endormez. Lorsque vous essayez de faire quelque chose pour le Seigneur, vous vous sentez mal. Vous pouvez tout faire sauf ce qui est lié à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose dans ce corps qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et il s'écrie en désespoir de cause, « Misérable que je suis », comme un homme qui se réveille soudainement pour se trouver dans un bâtiment en feu. Son cri est maintenant un appel au secours. Mais il en est arrivé au point où il désespère de lui-même. Avez-vous désespéré de vous-même? Ou bien espérez-vous que si vous lisez et priez davantage, vous serez un meilleur chrétien? La lecture de la Bible et la prière ne sont pas mauvaises. Dieu nous interdit de suggérer qu'elles le sont, mais il est faux de se fier à elles pour la victoire. Notre aide se trouve en celui qui est l'objet de cette lecture et de cette prière. Notre confiance doit être en Christ seul. Heureusement, le malheureux ne se contente pas de déplorer sa misère. Il pose une belle question, à savoir, qui me délivrera? Qui a cherché quelque chose? Maintenant, son espoir est dans une personne. Jusqu'à présent, il a cherché en lui-même la solution à son problème. Maintenant, il regarde au-delà de lui-même pour trouver un sauveur. Il ne fait plus d'efforts personnels. Toute son attente est désormais dans un autre. À l'époque où l'épître aux Romains a été écrite, un meurtre était puni d'une manière particulière et terrible. Le corps mort de la personne assassinée était attaché au corps vivant du meurtrier, tête contre tête, main contre main, pied contre pied, et le vivant était lié au mort jusqu'à la mort. Le meurtrier pouvait aller où il voulait, où qu'il aille, il devait porter avec lui le cadavre de l'homme assassiné. Un châtiment pourrait être plus effroyable. Pourtant, c'est l'illustration que Paul utilise maintenant. C'est comme s'il était lié à un cadavre incapable de se libérer. Où qu'il aille, il est entravé par ce terrible fardeau. Un souffle ne peut le supporter plus longtemps sur les cris du misérable que je suis. Qui me délivrera? Et puis, dans un éclair d'illumination, son cri de désespoir se change en un chant de louange. Il a trouvé la réponse à cette question. Je remercie Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur.